Robin outrageusement premier, mesdames, messieurs. Qui l'eût cru? Quel homme? What a gamer! Bon, je vais à un gant. Milan d'Infini. Le panda il tire la chance, c'est vrai. Panda il est stylé. Il reste 3 games du coup si vous nous rejoignez. Blabla au Rome, moi j'ai pas revérifié depuis. Perso. Qui récupère des golds. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus de chances d'avoir des golds en early en ce moment quand même, j'ai l'impression. Moi tant mieux, j'aime bien les start gold en vrai, ça me va. Ça me plaît bien les start gold. Si jamais ils sont forts, t'en as vu le parti. Comme d'hab, hein, tu peux jouer Brawler, tu peux jouer Vanguard. Alors premier Robin, deuxième à égalité, Tank et Shones. Et derrière c'est la débandade derrière. C'est la débandade. Ils tissent de débandade derrière. Putain, j'ai full bois là. J'ai aussi Warlord. Dans le loot, je mets les Warlords sur le bench, non? Pour qu'ils stack. Théoriquement, faut toujours mettre les Warlords sur le bench. Hein. En vrai. Bois c'est fort. Bois c'est turbo strong. D'ailleurs, c'est Robin qui a gagné avec Assassin Ninja. Qui j'ai une lame d'infini. Est-ce que ce serait pas Mia Kali 3 ça quand même? Ah! Cultiste. Ah non, nick, hein, pas cultiste. Hein. Pas avec cette sortie de mort là. J'aime pas mon start là. Est-ce que je slam une lame d'infini sur Nidalee? Elise, ça fait keeper avec. C'est-à-dire qu'on jouerait pas bois du tout, c'est sûr. Moi c'est ok pas jouer bois du tout mais bon. Je peux l'acheter pour l'instant. On va l'acheter pour l'instant. A voir s'il n'y a pas moyen de snowball avec. C'est quoi, c'est le meilleur placement pour les keepers? Ouais, je crois. Alors, j'ai plein de hélices, mais j'ai pas envie de faire hélice 3 aussi. La question c'est est-ce que je slam une lame d'infini sur Akali quoi? J'ai un Garen aussi. J'ai Nidalee aussi. Je commit assassin ou pas? Franchement c'est la question quoi. Est-ce que je commit assassin dans cette game? Je peux en soi, hein, c'est fort hein. Du coup je vends les bois là. Je m'interroge dans cette game. Ok. Bon pour l'instant c'est le setup pour l'instant. Globalement.
Ah putain, j'avais un Veigar, j'avais pas de stuff Veigar, de toute façon pas de regret. Zero regret. J'avais pas de stuff Veigar en vrai. Je préfère jouer H de toute façon maintenant que Veigar est énervé quand je jouais bois, quand je jouais les boys. Les bois. Alors les cultistes. Je peux pas pour l'instant. Ah mais il y a déjà un assassin. Ah là là là. Ah il a Moonlight Ah ça va être dur là. Contre le Moonlight. Aïe 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 aïe. Le shield d'abord est strong, ça va être chaud quand même. Ouais, je meurs là je pense. A voir. Le problème c'est que le TF va rester free DPS là quand c'est marrant. Bon, du coup on perd le fight, est-ce que je vends les Elise? Et je pré... Oh, vas-y, je vais juste pré-push en vrai. J'ai plutôt pré-push en vrai. Alors, il y a une spat. C'est pas un truc qui m'enchante de ouf. Je suis très team arc là quand même. Hein. Robin qui va réessayer de jouer assassin. Nous on va essayer de jouer assassin je pense. Après j'ai peur que ce soit vachement contest dans cette game. C'était quoi sa compo déjà assassin tout à l'heure? Mais il était en ninja assassin c'est ça ouais. Il était en 4 ninja assassin, un truc comme ça, un truc dégueulasse. C'est vrai que c'était dégueulasse quand même hein. Complètement dégueulasse. Ok. Par contre, je vais pas spécialement jouer Shade. Après, elle, elle donne. Voilà quoi. Ouais, vas-y, go. Ça me plaît comme ça. Ça me plaît bien comme ça. De Mystique et de Dusk avec Cassio élu. Ah, ouais, c'est ça. Pour l'instant, je vais rentrer Galio. Pour l'instant, j'ai Jarvan à acheter aussi éventuellement. J'ai envie de dire, maintenant que je suis plus en win streak, je vais gagner de toute façon. Ouais. Je vais vendre la vaille et acheter Jarvan. Au moins, le G4 il me donne Keeper. Keeper. Alors, je joue cultiste avec Jin Kari. Il y a trop de possibilités en vrai. Mais non mais là Elise je vais avoir envie de la revendre de toute façon à un moment donné en vrai. Pour le coup. Je pense que Xyot que c'est pas du tout les mêmes équipes qui s'en occupent à mon avis. Je pense que. Tu te méprends. En vrai ils ont 4 stacks déjà. Je crois. Il y a un bug, mais ils sont à 4 stacks, c'est ça. Ils ont gagné 4 fights de toute façon. Jin Kai, c'est pas le mec qui joue dans le masque. J'ai déjà fait la blague plein de fois. Elle est excellente, j'adore. Jin Kai. En tout cas, Keeper en early, c'est sympa quand même. C'est une synergie sympa en early, je suis content de l'avoir là. Par contre, la Katarina me fait flipper quand même là, j'avoue. Après, il reste le Galio donc bon. Et j'espère que Jarvan va pouvoir interrompre son spell là. Quoique, elle va le one shot hein. Ah j'ai perdu à cause de la Katarina Pistolam quoi. Je suis trop deg. Jamais je gagne on est d'accord là. Ah il a failli l'OS mais non. Oh c'est de l'OS. Oh quel homme. Nice. C'est si fou que ça après c'est pas incroyable. Bref. Incroyable. En vrai c'est pas si fou. Donc là le problème c'est que si on veut jouer ninja machin assassin on a rien pour l'instant. Pour l'instant on a rien. Le poster arrive quand? Une dizaine de jours je dirais à peu près.
Il faut laisser le temps autant. Je vais faire ça plus tard d'ailleurs. Ok. On a pas le droit de faire deux lames d'infini parce que c'est bugué du coup. Pistolet lame. Salut Big Fury, ça va ou quoi? Pike Wave. Pike a du stun. Elle a un peu, elle peut sortir des gars du fight. C'est quand même qu'on a deux IE. On s'en branle ça. Il y a un Yasuo dueliste, donc il est en quête dueliste. Il y a une Kalista 2. Oh what the fuck. C'est tellement fort Kalista 2 là. Par contre Kalista va mourir, allez Aveline. Nice, nice, nice. Ah yes, ça l'a tué. Ok, on a gagné du coup, nice. Turbo OP les gars. T'avais combien j'ai joué d'assassin du coup? 2 ou 4? Je sais pas. Ça va être la surprise hein. Putain, pour l'instant j'ai vu aucun perso que je voudrais jouer dans la compo donc c'est un peu embêtant mais bon. J'ai même pas envie de level up parce que je peux rien rentrer de bien là en fait. Alors j'ai des bons rolls à faire pour stab. J'ai rien de bien à rentrer là. Pourquoi vous voulez que je vandalise alors que je vais pas roll? Il faut jamais. Petit tips pour vous hein. Il faut jamais jamais vendre votre élu tant que vous rollez pas. Jamais, jamais, jamais. Je m'attends pas à garder la win streak là, mais bon. En même temps, level up pour quand même perdre, j'ai envie de dire, c'était con quoi. Après, peut-être un monde où je gagne. Oh, c'est chaud quand même, je pense. Non. Dommage. Pas loin, pas loin, pas loin. Avec Sharpshooter je peux gagner. Si je level up et que je trouve Sharpshooter je peux gagner mais bon. C'est tellement loin quoi. On va quand même l'acheter hein. Dragon Ball et Dragon Ball Z. Ok, on reste comme ça. J'en ai aucune idée, glace canon. L'Aveline, je jouerai pas dans la compo. Pike, il y a quand même de grandes chances que je la joue. Autant récupérer les 50 gold, hein, tant qu'à faire. Je pense qu'on va quand même devoir roll au level 7 dans cette game. Hein. Ouais, c'est sûr. Alors je me dis que je voulais jouer à Akali mais par contre j'ai rien vu niveau des Akali, j'ai pas vu de Zell et tout. Chaud quand même. Le stuff que j'ai commit surtout. Chaud de faire autre chose quoi. Alors je suis pas la speak, c'est pas mal. Robin il change de comp. Personne n'a de Akali, c'est cool. Il y a deux arcs, c'est trop bien. Nickel. Est-ce qu'on fera un RFC à Kali hein? Oui ou non? Il y en a un nouveau short, encore mieux qu'avant. Alors. C'est quoi le bug de l'IE? Pour résumer, ça fait trop de dégâts quand on a deux. Je roll pas hein. Non, rush 7.
coup j'ai rien de bien à rentrer. Après la vaille elle a la synergie, mais bon je m'en fous. J'ai un peu près push, c'est vrai. Unique qui a la Katawina. Je compte pas spécialement la jouer, non, s'en fout. C'est le Garen qui est vraiment costaud quoi, surtout. Le Garen Warlord il est turbo OP quoi. Et bon la Katarina 2 là ça va faire mal hein. Alors elle s'est fait stun par Galio et par Pyke. Elle est moins OP que prévu j'avoue. Allez Hop, aïe aïe aïe. Ah c'est dommage, on a pas de chance là sur ce fight hein. On laisse vraiment tout à un poil de cul quoi. Fuck. On va être 7 avec beaucoup de gold. On va essayer de trouver un élu qui nous convient quoi. Sachant que la game elle est relativement free assassin non. Par contre les warlords c'est pas forcément une bonne nouvelle. On va voir. Mais j'ai trouvé aucun ninja quoi quand même hein. C'est pas un bon signe. Après ça me permet d'avoir une bonne économie qui a pas été cut quoi. Bon. Ça c'est quand même vachement intéressant. Gadio qui interrompt la kata, nice. Pshou. Belle spear. Bon on perd la loustrique mais au moins on sauve des PV, c'est pas mal hein. Et on casse la win streak de Toon. Donc non c'est clairement win-win ce fight. Dragon Ball et Dragon Ball Z. Il y a un monde où je peux jouer Morgana Cassio ou pas dans la compo. Pourquoi Morgana rentrerait? Talon et de Light Ned? Bon, je sais pas exactement comment on va la jouer, mais let's go. Lego, Lego. Let's go! Quand on se trouve Morgana Cassio dans un booster, t'as pas envie de les laisser partir. Hein. Ah, c'est trop dur en vrai. Je galère trop. Non, putain, j'ai entré deux assassins. Ouais, j'ai fait de la merde. C'est trop dur encore de roll là. J'ai pas encore assez l'habitude en vrai. Sur, avec les nouveaux persos là. Bon. Du coup, ma Kelly est nerf, j'ai pas trouvé chaîne, ça fait chier. J'ai pas trouvé d'élu. On a vraiment besoin de trouver chaîne, hein. Chaîne, bah chaîne et Kellen, évidemment, bien sûr. Mais... on a obligé de jouer Katarina sur les 4 assassins. Ouais, c'est con ça. Mais sur les 4 assassins en fait, je crois. Quand même. Putain, mais Kata, c'est turbo de la merde, quoi, putain. Je sais pas. Est-ce que ça c'est un setup qui est viable actuellement? Faudrait la Kali 2 en vrai. Est-ce que là mon setup il est ok? Bon, je fais une Warmog sur chaîne parce que c'est ma frontline principale. Donc là j'ai rentré Cassio avec. Waouh, je me suis fait. Oh, il a Timo 3 Robin. Il m'a démonté. Non, en vrai, il vaut mieux 4 assassins que jouer Cassio Morgana, non?
pense. Je pense que oui. Ninja 4 assassins. Éventuellement Mystique level 8 éventuellement. Mais j'aimerais avoir quelques upgrades en plus là quand même. Ok. On a Akali élu, assassin. Alors le problème c'est qu'il faut qu'on trouve Akali 3 évidemment bien sûr. Parce que je peux pas stuffer, vous avez compris quoi. Du coup on reste level 7 pour trouver Akali 3, elle est pas trop contente dans la game. Akali 3 c'est la priorité absolue de toute façon hein. Parce que là je suis faible hein, encore un peu non. J'ai 4 assassins c'est quand même mieux hein. Pam c'est mes golds sont pas... Je pense que je vends les deux Cassio hein. S'il faut j'y retrouverai beaucoup plus tard. Mais bon. Pour l'instant il me faut des tuiles pour trouver Akali 3 là. En vrai c'est peut-être Janna qui donne une lightning à Talon. On a eu un bas d'élu en vrai hein. Je fais quoi, je fais croc du dragon sur le chêne, je full défensif le chêne. Titan aussi. J'aurais pu faire l'item avec armure aussi. Et quand j'ai Akali 3, ouais, je pourrais entrer mystique tout à fait. Mais pour l'instant je peux pas virer la Akali full stuff et je peux pas la vendre non plus. Combien d'Akali dans la game? 0, 0, merde. Bon, il y a 0 Akali dans la game, à part moi. Théoriquement, ouais, si j'avais Akali 3, je pourrais faire ça là actuellement, mais bon. On va essayer de faire un chêne très tanky comme c'est mon seul tank au final. Donc on économise les deux prochains fights. Puis on donne tout ce qu'on a pour Akali 3 au Raptor quoi. On aura une bonne économie, en plus j'arrive à gagner les fights, c'est cool. C'est pas mal. Cette Akali elle me rappelle tellement TFT1, elle est dégueulasse quoi. Elle est vraiment dégueulasse cette Akali. Ah, la danse de Akali. Terrible. Ah, ça rentre. Janna qui donne Lightning à Talon. De toute façon, on n'ira pas plus loin que le level 8, je pense. Avec cette compo satanique là. Ouais, non, on passe le level 8 et voilà quoi. Enfin, au level 8, je sais pas ce que je vais rentrer parce que attends, admettons que je suis comme ça, ok. Level 8, je peux rentrer quoi? Keeper, bof. Je peux rentrer Adept. A voir. A voir. Enfin, les Akali, elles font de ses dégâts, putain. Elle s'est pris un stun. Ah, je perds là, je pense, hein. Ah, le power skate, dommage. Dommage, dommage. Bon, c'est pas grave. Non, non, je joue pas 6 assassins. On pourrait jouer 6 assassins, c'est vrai. Je pense pas, si. Le problème de jouer 6 assassins, c'est vrai qu'on veut pas jouer mystique avec, c'est ça? Oh, remarque. Alors, peut-être. Je sais pas. Il y a beaucoup de Katarina en plus, je vais galérer à retrouver Katarina. A voir. De toute façon, faut qu'on roll pour les deux Akali qui nous manquent déjà, en espérant qu'on galère pas trop comme des canards. On roll aussi pour Talon, chaîne. Après, je pourrais roll au level 8, hein. En soi, ça paraît plus intéressant hein, de roll au level 8. Le problème, c'est que. J'aurais pas beaucoup de gold à roll quoi si je fais ça.
Mais level 8, t'as plus de chances de trouver des Akali en vrai en plus. 35% et 3 gold. J'ai une Katarina, tiens. Ouais, non. Tueur de géant. Okay. Je me tête de ouf là. Je pense que je push en vrai. J'ai plus de chances de les trouver et évidemment là ça rendra la compo meilleure quoi. Ça va pas être évident à trouver évidemment mais bon. Sauf pour l'instant qu'on est deux Akali c'est carrément ok en vrai. Tu te fais quand même une ninja en prio quoi. Là ça donne mystique quoi. Genre là contre Soi mystique ça va pas être fou. Est-ce que Shen va pouvoir ultier? Ok, Shen a réussi à faire un ulti de port là. Ah, la Akali a OS la Kalista. Dans ce setup il peut rien faire quoi. Ok. Je pense qu'il y a un monde où je rentre 6 assassins. Pour trouver Diana par contre. Je l'avais tout à l'heure, je l'ai vendu pour des raisons legit je pense mais bon. Ça va être un peu galère à retrouver. Et chaîne 2 sera vraiment une priorité prioritaire aussi. Après Mystique ça pouvait être Cassio et non. Evelyne on s'en tape. Je sais pas d'homme qui roule quand même si. Dès que j'ai une Diana, je fais le swap, je pense. Genre, si j'ai une Diana, à mon avis, je tège machine et. Après, je peux pas tant que j'ai pas Akali 2, quoi. Akali 3. Ah, ça va être la merde en vrai, je le sens. Ça va être trop chaud. Le problème, c'est qu'on est obligé d'en avoir 2 sur le board, quoi. C'est le vrai problème là. Parce qu'on peut grave top 1 si j'ai Akali 3, mais. Tamagarki joue 4 run light ned, il a chaîne 2. Ok, chaîne a pas ulti sur mes carry derrière, c'est cool. Ouah, talon à OS toute ma team. What? Attendez, what? Le talon. Ouais, je connais pas ça par contre, hein, cette compo. 4 mystiques, 4 run light ned, 2 assassins. Ok, GG. Le talon full stuff à OS toute ma team. Ça va être chaud. J'ai oublié de Donkey Roll du coup mais c'est la merde. Ah sympa le talent 4 run light net quand même hein. J'aime bien. J'espère quand même qu'on peut aller accrocher un top 4. Fait chier. C'est chaîne 1 qui va poser problème de toute façon là je pense hein, mais bon. Malheureusement. On est contre Nema. D'ailleurs il m'a défoncé mais j'avais pas encore mon setup. Et il a Adept. Oh, Adept c'est tellement chiant contre moi. Et le Timo me défonce. Allez je perds sur Adept hein. Adept en vrai c'est un bon counter à cette compo hein. 4 sharpshooters de Adept. C'est à dire que 2 secondes mais les 2 secondes il se passe trop de trucs hein. Mon soi est mort, je suis pas dernier déjà. Il y a mon fantôme qui est en train de perdre contre Unid. Je pense qu'à peu près tout le monde me bat, mais il a kata, il est pas kata 3 même. Tout le monde me démonte là. Hein. J'ai mongolisé au début, mais. Est-ce que c'est RFC pour Z là? RFC c'est bien en vrai. RFC sur Z c'est un bon item. Il va mourir moins vite. Bah c'est toujours pareil, passer level 8 c'est result oriented quoi. Si je passe pas level 8 et que je roll au 7 mais que je trouve pas Irelia, et que je trouve pas Akali, j'ai quand même perdu quoi tu vois. C'est un parti pris après là ton commentaire est pas pertinent je veux dire. Le chêne. Ah, c'est vrai, je n'ai pas réussi à retrouver Diana non plus quoi. Au pire, j'abandonne la Akali 3 et j'essaie de trouver Diana et chaîne 2, mais bon, c'est con quoi, je veux dire.
Je pense que c'est pas une bonne affaire, je pense. On est contre Sean Zito. La bonne nouvelle, c'est qu'on va OS Harry. La mauvaise, c'est que comment on va tuer ce Warwick, quoi. Telle est la question. Putain, le Lee Sin a failli kick ma... Ma Kelly du bord, j'aurais eu le seum. Ok, j'ai gagné un fight. Pourquoi pas sauve talent au lieu de Zed? Parce que Zed il est ninja. Donc il a des un bonus de ouf en plus quoi. Zed il a 120 d'attaque dommage et 120 de spell power en plus. Parce qu'il n'a pas de talent. Bon, je donc qui roll, de toute façon. Le moindre chaîne pourrait être vraiment décisif là. Ok, je peux vendre Katarina, au pire je joue pas les 6 assassins de toute façon dans tous les cas. Après si je gagne j'ai pas besoin, je lock pas dans tous les cas mais. Zed est pas meilleur que Akali, non. Zed a été nerf. Akali a été up indirectement, et directement d'ailleurs. Allez Akali, tu es un aigle. Ok, elle va défoncer le jean. Bonne nouvelle ça quand même. Oh, si elle passait 3, ça ferait tellement un truc de fou. Ok, nice. C'est dommage de pas avoir réussi à faire le Z3 dans cette game, mais bon, on en a pas vu assez quoi. Du coup, je peux garder Katarina éventuellement. Et bon, bien sûr, il nous faut chaîne 2 aussi, qui est décisif hein, dans cette compo. Un bon gros chaîne, ça fait plaisir. Trap Claw go sur chaîne. Ça lui fera un peu plus de tankiness hein. En espérant qu'on chope un petit coup de main de Nico là. Ouais là, si j'avais une Diana et Akali 3, ce qui libérerait. En fait, on enlèverait Janna et forcément une D Akali. Et ça libérerait de la place pour pouvoir rentrer 6 assassins. Et faudrait Diana. Après, c'est-à-dire qu'on perdrait le Unlightning, on s'en fout, on perdrait Mystique, qui est quand même une bonne synergie. Mais bon, si on peut éventuellement le faire, on le fera, je pense. Et un coup de main de Nico, patapute. Oh, j'ai eu la Kali. J'ai eu la Kali. Pokchamp. Ok. Shade ou adepte ou keeper. Putain, je sais pas comment. Je vais mettre Shade au pire. Plutôt. Au point où on en est hein. Attends, ça fait 3 zones lightning mais ça rentre ok. Non, par contre je peux virer Janna parce qu'elle sert plus à rien maintenant. Je peux virer Janna et mettre un meilleur Par contre le chien est toujours level 1, ce qui est quand même vachement problématique. On pas de 6 assassins du coup dans la game hein. Ok, on va peut-être... Ce coup-ci on gagne contre le talon de Magarki ce coup-ci. Ce coup-ci on bat le talon de Magarki. Ah bah Irelia 3 c'est un autre délire hein. Est-ce que je lock pour Cassio? Non, priorité ça reste chaîne en vrai. Ok, mais en fait pas lock. J'ai acheté un peu vite en vrai. Bon, le perso est meilleur que Janna en vrai, franchement. Même si Janna c'est cool. Après, en vrai, il faudrait plutôt Cassio 2 tant qu'à faire. Mais j'ai pas de synergie à récupérer avec les mystiques quoi là. J'ai aucun mystique qui me donne une bonne synergie. Je m'abuse. Alors, on serait revenu sur TFT 1 les gars là. Par contre le jean est vraiment free DPS. Ok, il a pas eu le temps d'aller focus ma Akali, ça va. Ah, c'est le Nema. C'est le Nema. Nema qui a fait top 2 top 1 je rappelle hein. Nema quand même hein. Nema qui est en grande forme. Parce que est-ce que Cassio aura le temps de cast?
Ça reste un perso 4 gold, c'est mieux. De toute façon, là j'ai plus rien à roll là maintenant, il faut que je passe. Attends, ça passe par du scout maintenant un peu quand même. Ok, on n'est pas placé pour lui. Ok, Akali a OS le Xin Chao. Elle a OS le Warwick. Elle se fait un gros stun de Pike. Oh, c'est free je crois. Le fait qu'on tourne est free là. Ok. Robin qui meurt, Robin qui fait top 4 du coup. Ça nous arrange pas ça hein. Robin on aurait préféré, est-ce qu'il est bien classé Robin? On aurait préféré qu'il part dans les limbes là. Ok, c'est Spat Divine. Il y a une IE sur Z aussi hein. Ah mais Spat Divine ça me donne Divine. Je sais pas ce qui est le mieux en vrai là. Qu'est-ce qui était le mieux entre avoir Divine et une lame d'infini? Divine ça donne des dégâts bruts et de la tankiness. C'est une bonne question. Je pense que l'âme d'infini était peut-être mieux. Après ça booste la Irelia. Et ça active des synergies, c'est joli je trouve. Je trouve ça joli le fait que ça... Ouais non mais Divine ça reste une bonne synergie en vrai je pense hein. Toutes les 6... Au bout de 6 attaques t'es plus tanky. Et tu fais 20% de bonus de dégâts bruts quoi. Franchement, allez battre. Pas de certitude là-dessus. Non, IE est forcément mieux avec 4 assassins, en vrai ça donne tellement de boost en plus. Je prends pas Z3 à ce stade de la game. Ok, j'ai le temps de bouger. Ok, j'ai bougé. Et la Yiri, d'accord, ok. Ok, le Zilean n'a pas eu le temps d'ulti, nice. Le Zilean n'a pas eu le temps d'ulti. Ouais, là c'est la. Là c'est la débandale pour le coup là. C'est tellement OP. Après, les 3 est élu, donc forcément c'est turbo OP quoi. Unit qui gagne, je sais pas contre qui il a gagné, par contre moi j'espère. Belle remontada en tout cas. Allez. Si on fait un double top 1, on est pas mal là les gars. Moi j'y crois au double top 1. On va faire double top 1 pour revenir à égalité avec le Nema. Elle, Nema Tella. Oh, il va être chaud ce fight en vrai. Hein. Turbo strong unit. Ça rend trop fort, 9 Warlord. Ça va être chaud de ouf. Après, là, mon chaîne est vraiment bien tanky. Hein. En termes de tankiness, le chaîne il est vraiment là, il est au contact, quoi, je vais dire. Faut qu'elle OS le. Ok, le Azir a eu le temps d'ulti quand même. Ok, Irelia a tué Talon avant que Talon tue Irelia. Je crois que c'est le plus important, je crois. C'était le fantôme d'ailleurs que j'ai eu là. Unit bat Shones, donc on est top 2 à minima. On a un Zeke. Ça rappelle vraiment le 7-1. Allez Unit. Robin il encourage Unit parce que Unit il a. Il a que 5 points au total. Et si je fais top 1, je reviens à égalité à 24 avec Robin quoi. Quel salaud ce Robin quand même. Tu trouves pas que c'est un salaud ce type franchement? Akali peut crit les spells. Tous les assassins peuvent crit les spells. C'est un passif. Ok. Bah 3 adeptes hein. Ça va être turbo OP 3 adeptes hein. Est-ce qu'il passe 3 adeptes? Il passe pas non si. Ce sera pas les 3 adeptes. Ah, il a Azir 2, putain. Ah, il a le stuff du 7-2, j'avoue. Non. Chou. Il a pas adepte en vrai. Je pense que adepte c'est le meilleur contre à ma compo là actuellement. J'ai envie de dire. Ok, Irelia va sur Azir assez vite. Ah putain, elle s'est fait bum par le Azir du coup. Aïe aïe aïe. Oh, Talon va l'OS. Ok, allez, nickle. Ok, les deux sont morts. Et moi, il reste mon Z.
C'est chaud quand même, hein. Ok. Allez, encore un combat. Je peux improve en entrant quoi, Cassio. Cassio 2 serait une bonne improve en soi. C'est un peu la seule improve que j'aime. T'as regardé les trop dommages de Z. Il y a tellement de dégâts quoi. Il a mis les trucs de Azir sur le côté, normal. Hein. Là en vrai. Ok, la Irelia est sur le Azir. La Irelia s'est fait OS. Je suis mort, je crois que j'ai perdu. La Irelia. Il y a Katarina 3. J'ai pas vu. Il avait déjà Katarina 3 ou pas? Ok, est-ce que Z peut solo carry? Oh, le Z est tellement fort! Et la Katarina fait un ulti aux fraises. Allez, 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 allez! Allez! Oh non! Ah, oh, c'est bon, c'est Shen. Shen il gagne avec Croc du Dragon. Il a pas de dégâts, Shen. Je suis pas mort par contre. Par contre, si je gagne, j'ai gagné. Mais je perds là, 100%. Le shield! La game se joue dans les 3 premiers fights là. Hein. Dans les 4 premières secondes, la game se joue. Hein. J'ai mis la Kay sur le côté pour pas qu'elle se fasse OS au milieu de la mêlée. Par contre, elle va jamais focus Azir quoi. Ok, Azir fait un ulti de merde. Je crois que c'est bon. Mon placement va payer, je crois. Ok, on a gagné au placement là, les gars. Je pense. Si on gagne. Ah, c'est gagné au placement ça. Yes! Yeah, man!